immergé dans un monde sans frein, ignorant des lois qui l'écrasent, tortionnaire ou victime de ses compagnons, sous le regard ironique et méprisant de ses juges, l'athlète W ne sait pas où sont ses véritables ennemis. Il ne sait pas qu'il pourrait les vaincre et que cette victoire serait la seule vraie qu'il pourrait remporter, la seule qui le délivrerait. Mais sa vie et sa mort lui semblent inéluctables, inscrites une fois pour toutes dans un destin innommable. Il y a deux mondes, celui des maîtres et celui des esclaves. Les maîtres sont inaccessibles et les esclaves s'entre-déchirent. Mais même cela, l'athlète W ne le sait pas. Il préfère croire à son étoile.